Bonjour, je m'appelle Alice, je suis technicienne consultante chez Gexel. Je vais vous présenter aujourd'hui comment paramétrer les restrictions d'accès sur le logiciel FirstNet. Une fois que vous êtes dans le logiciel, vous allez tout en haut dans la barre menu, vous allez dans Utilisateur, Gestion personnelle sécurité, Gestion des fiches du personnel. À cet endroit, vous pouvez voir les utilisateurs et leur niveau qu'on aura besoin pour la suite des événements. Donc, nous pouvons voir par exemple que Alice est vendeur et que Yannick a le niveau IN qui correspond, quand on clique sur le bouton, à informatique. Nous allons maintenant retourner dans la fenêtre des restrictions d'accès. Pour cela, nous allons dans Utilisateur, Gestion du personnel sécurité, restriction d'accès. Donc là, je recentre la fenêtre. Nous pouvons voir deux onglets sur cette fenêtre de restriction d'accès. L'onglet fonction et niveau. Quand on clique sur l'onglet niveau, nous pouvons voir les droits d'accès, le niveau d'accès des utilisateurs. Par exemple, le vendeur a bien le niveau 1. Le niveau 1 correspondant au plus petit des niveaux. Ensuite, le 4 au plus grand. Quand nous allons dans l'onglet Fonctions, nous pouvons voir à quoi est attribué ces niveaux. Donc, si on ouvre l'onglet Vente, nous pouvons voir que toutes les personnes qui ont le code 1 peuvent effectuer toutes ces fonctions. En revanche, s'il suffit de mettre, par exemple, dans document de vente, un niveau 3, les vendeurs ne pourront plus accéder au document de vente. Je vous montre. Donc, une fois que j'ai mis le niveau 3, nous vérifions dans les niveaux toutes les personnes qui seront en dessous du niveau 3, c'est-à-dire le 1 par exemple des vendeurs, du stagiaire et des vendeurs, ne pourront plus accéder au document de vente. Pour cela, je coche activer la sécurité des menus. Et je valide. Donc je rentre dans la saisie de vente avec ma vendeuse Alice pour bien montrer au logiciel que je suis connectée en tant que Alice. Maintenant j'essaie d'aller dans les documents de vente. On me demande mon utilisateur. Donc je rentre en tant qu'Alice. Je ne mets pas de mot de passe puisque Alice n'a pas de mot de passe. Je valide. On me dit bien que le niveau est insuffisant. En revanche, si je rentre avec l'utilisateur Yannick, qui lui a un niveau supérieur, j'écris son mot de passe. Quand je rentre à l'intérieur, j'accède bien à la fonctionnalité des documents de vente. Quand je retourne dans les restrictions d'accès, donc utilisateur, gestion personnelle sécurité, restriction d'accès, je peux aussi dire au logiciel que je souhaite, lorsque je rentre dans le logiciel, mettre un mot de passe. Pour cela, je coche « mot de passe » à l'entrée du logiciel et je valide. Donc là, je sors du logiciel, je re-rentre à l'intérieur de mon logiciel et là, on me demande donc un mot de passe et donc je m'identifie. Dans mon exemple, je m'identifie en tant que Yannick. Voilà. Il est très pratique pour voir le niveau des utilisateurs d'aller dans Utilisateurs, Gestion du personnel sécurité, Gestion des fiches du personnel. Et là, vous voyez le nom des utilisateurs ainsi que leur niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à regarder les autres vidéos. Merci, au revoir.